Allez, bonjour tout le monde, ici c'est Lindron pour le 7ème épisode de mon let's play sur la saison 2 de sur le jeu sport. Je vais finir par y arriver, décidément. Alors la dernière fois je vous avais laissé en phase civilisation, on allait s'occuper de cette ville. Tranquille pépère, allez hop, convertir la ville. On sort l'hologramme. Et on essaye de convertir cette cité. En espérant qu'ils y arrivent. J'ai commandé d'autres. J'ai plus assez de maisons. Faut vite que je m'occupe de ça alors. Alors. Ici ça serait bien. Voilà. Une usine par ici. Yes. Une usine par ici. Ça augmente. Où est-ce que je peux en mettre une? Ici, là, ça ferait plus 3200. Plus 3200. Ok, là, c'est trop cher. Du coup, là, j'ai plus assez de simflouz. Alors, on va voir comment ils se débrouillent. Sachant que là ça va, on a perdu un. On va en perdre un. Ah c'est, on en a perdu un. Mais on va y finir par y arriver. Voilà. Pas très compliqué. C'est un peu le même principe que les militaires, sauf qu'ils sont moins puissants contre les véhicules. Et voilà. Alors là, faut qu'on choisisse ses spécialités, on va prendre militaire, histoire d'avoir un petit peu de chaque. Alors du coup, de ce côté-là, on va essayer de bidouiller la ville. Hop, une usine. C'est toujours trop cher. On va attendre un peu, vu que c'est cher. Là il y a des bastons. Là non. Par contre ils sont pas très heureux. Ils sont pas très heureux. Je pense qu'après on va s'occuper des vers. De toute façon il va nous falloir qu'on s'occupe de la mer. Parce que là clairement on peut pas bouger. Alors, on va bidouiller la maison. Les habitations. Je peux rien mettre d'autre, on va mettre un complexe histoire de remettre un peu de bonheur. Où est-ce que je peux en mettre un? Je peux en mettre nulle part là. Ouais. Ok, donc cette ville là fait du 2800. Là on fait du 3200, sachant que je crois qu'il reste un peu de place. Ouais, il reste un peu de place. Et on fait du 3600, donc du coup au total on fait plus 10 000 à la minute. Ça c'est de la ville. Du coup, on va demander quelques véhicules terrestres en plus. Allez. Il n'y a plus assez de maisons. Je sais, on va tous les prendre. Et voilà, vous allez vous mettre ici et on va essayer d'attaquer. Alors c'est des militaires aussi. Leur ville n'est pas très grande par contre. C'est une petite ville. Alors j'ai obtenu quoi? Invulnérabilité, les véhicules restent intacts quoi qu'il arrive. Et bombe correctrice, les véhicules ennemis se trouvant dans le rayon de la bombe s'attaquent les uns les autres. Bon, il n'y a pas beaucoup de véhicules donc ça devrait aller. Allez hop, convertir la ville. Là ça devrait aller vite.
Même s'il me défonce correctement. Ah non, ça devrait aller. Même si j'ai un véhicule qui est au bord de la destruction, ça devrait largement aller. Voilà. Lui aussi. Boum. Ça y est, converti. Ah, ça va vite en fait. Hein. Et boum. Converti. En plus, on a un accès à la mer. Bon, là, on va les garder religieux, vu qu'on a un accès à la mer direct. Alors, on va bidouiller ça. Oh non, en fait, ça va. Oh, ça va très bien, en fait. Ils se sont bien débrouillés. Par contre, du coup, ce qu'on va faire, un véhicule marin. On va faire un véhicule marin. Oui, si, on va prendre ça. Hop. Voilà. En fait, le truc, c'est que c'est un peu bizarre à mettre ça sur les côtés de cette façon. J'essaie de faire quelque chose de logique. Voilà, c'est à peu près logique. Là aussi, quoique. Voilà, là c'est logique. Même si on devrait. Voilà. On devrait les remonter. Voilà, ça c'est nickel. Ça c'est génial, par contre on n'a pas beaucoup de vitesse en fait. 50-50. Même si ça c'est exceptionnellement moche. On va réduire un petit peu et on va baisser le truc. Voilà. Là c'est déjà plus logique. Au niveau de la puissance religieuse. 28. Ouh. 44, 28, 28. Voilà. Là c'est bien puissamment religieux. On va prendre un truc qui correspond, voilà. Et puis le nom du véhicule marin, on va faire aléatoire. Drag. Drage. Ça va très bien. Allez, je vais commander quelques véhicules marins. Allez, foncez-moi dessus. Oh oh, il y a une autre nation. La nation... Pervenche, d'accord. Ok. D'accord, la nation Pervenche, c'est les bleus. Alors, toi, tu fonces t'occuper de ça. Avant lui, même si je pense que tu vas pas y arriver. Non, tu vas pas y arriver. Il l'a chopé avant. Revenez là. De toute façon, vous l'auriez pas eu. Nous. Ah, ça y est, je suis en guerre contre la nation Pervenche. Bon alors, nous de notre côté. On va prendre ça, on va s'occuper de celle-là. Comme ça, on sera tranquille. Dès qu'on aura 4 villes, on fera faire nuage noir. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. On va s'occuper de la cité qui est là-bas. J'ai pas assez de maisons. Bon. 90, 45 et 105. Ok, d'accord. Là, c'est une petite ville aussi. Ah,
Et d'où vous sortez? C'est les rouges, c'est ça? Je sais pas pourquoi ils faisaient ça. C'est un peu bizarre. Alors là, je les régène. Et on va s'occuper de convertir la ville. Allez, c'est parti. C'est vraiment la phase que j'apprécie le plus, je pense. Vraiment génial comme phase. Ensuite, une fois qu'on sera occupé de cette ville, on n'aura plus besoin de véhicules terrestres et on pourra se concentrer exclusivement sur les véhicules marins. Du coup, ça va bien aider. Allez, c'est parti. On va s'en occuper. On convertit. Allez. On va perdre un véhicule. Voilà, on a perdu un véhicule. C'est pas grave. Et voilà. Donc c'est une ville religieuse convertie par des moyens religieux. Donc du coup, elle reste religieuse. Et voilà. Il n'y a pas de ville économique. J'aurais bien aimé faire ça plutôt en économique. Oh oh. Ça y est, j'obtiens les avions. J'obtiens les avions. Avec ça, ça pourrait être utile. Nuages noirs, ferme les complexes de loisirs et les tourelles, provoquant le malheur des citoyens. Oui, je sais qu'on est en guerre contre... Comment ça, on est en guerre contre Nassour Citron? Mais on n'a rien fait. Ils font yesh. Alors, on va se débarrasser de ces véhicules-là. De ce côté-là. De ce côté-là, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un autre truc? Bah non, en fait, vous êtes très bien comme ça. Vous êtes très très bien. Là, j'aurais certainement pas le temps. Si. Je peux aller chercher celui du bas. Je peux aller chercher celui du bas. Ok, Nation Pervenche a encore conquis une cité. Ça va être la merde. Bon, par contre, là, j'ai énormément de fric. Je pense qu'on va s'en servir. Alors, quelle cité on va aller choper? Je pense qu'on va aller choper celle-là. Me plaît bien, celle-là. Du coup... Voilà. Je pense qu'avec ça, on sera paré. Je vais leur demander de venir jusqu'ici. Alors, on va s'occuper de celle-là. Oh, c'est quoi ce bordel là? Votre vie est attaquée. Quelle c'est celle-là? Je pourrais mettre des... Allez, occupez-vous de celui-là, histoire qu'on soit tranquille. Allez! Allez, on s'occupe du suivant. Nous voulons avant tout être respectés. Eh hop, tire-toi, j'ai pas envie de te donner du fric. Ok, ça y est. On a les trois... Il y a trois nations. Et on va devoir se foutre sur la gueule avec ces trois nations. Ok. Nécessite civile et je pourrais faire le soulèvement fanatique qui me fera que je récupérerai toutes les villes d'un coup. Faut que je me sope civil. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ok, il y a la guerre. Ok, voilà la guerre. Je pense qu'avec ça, on devrait y arriver. Convertir la ville. Allez, c'est parti. Toi, on va te laisser là. Je pense qu'avec tout ça, on devrait arriver à convertir assez facilement la ville.
Ah et même plus que facilement, là pour le coup ça va super vite. C'est une ville quoi? Religieuse. Bah ça va super vite. Ça c'est fait. Du coup, religieux reste religieux. On va bidouiller ça parce que là, ça va pas du tout. Non, c'est un complexe de loisirs que je devrais mettre. Voilà, c'est ça. Exactement ce qu'il me fallait. Ok, la nation frontale qui veut me foutre sur la gueule. Là on va mettre des tourelles. Voilà. Ça je suis tranquille. Ok, maintenant qu'on est comme ça, on va pouvoir s'occuper de l'autre ville. Ça je vais leur demander de se réunir par là. Ok, là je suis attaqué, mais je pense que ça va aller vite. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, d'accord, vous n'allez pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Du coup, je vais demander de faire quelques bateaux de plus. Voilà. Comme ça, ça va bien. Je suis du plus combien? Plus 20 000. Plus 20 200 quand même. Ah ouais. Alors ensuite, on fera le soulèvement fanatique une fois qu'on aura la dernière ville. Ça va bien aller. Alors là, s'ils essaient de m'attaquer. Non, ça va. Allez, on va les réunir un peu tous. Et on va s'en occuper. Convertir la ville. Donc on va convertir la ville. C'est parti, je pense qu'avec tout ça, ça devrait aller. Ok, j'en ai perdu un. Avec la puissance de feu que j'ai, là, c'est bon, laisse tomber, t'as perdu, toi. Allez. On y est presque, on y est presque. Et on a la sixième ville. Religieuse aussi? C'était quoi? Non, c'était militaire, je crois. Allez, c'était quoi déjà? C'était militaire. Évidemment. Bon, bah, on va garder religieux. Hein. Ça, on va bidouiller ça. Je crois qu'il y a un peu trop de malheur dans cette ville. En même temps, pourquoi ils ont mis une... Voilà, là, c'est mieux. Ok. Ça c'est du fontage. Et eh ben j'ai le soulèvement fanatique à 48 000. Et avec ça, je. Bah on a gagné. Ah en plus il reste 30 secondes d'épisode. Bon bah vous savez quoi? Boum! On a gagné. Voilà, pour les dernières secondes d'épisode. Comme ça dans le prochain je m'occupe juste de gagner un petit peu toutes les. Là, normalement je vais la choper tout de suite. Pof. Ça y est, domination totale. Ah bah tiens, j'ai fait mal de l'air. Bah voilà, donc
Dans le prochain épisode, je m'occuperai juste d'aller rechercher vite les différents points de... comment ça s'appelle ? D'épices, et puis après, voilà. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, désolé, j'ai eu un petit truc. Bon, ben en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !